je suis Nancy Peña, je suis auteure de bande dessinée, d'abord chez La Boîte à Bulles, chez qui j'ai commencé il y a 10 ans de ça, pour laquelle j'ai développé la série que voici, qui s'appelle Le Chat du Kimono, qui est mon travail le plus personnel et qui raconte les aventures d'un chat qui s'échappe de son kimono pour aller courir le monde et notamment qui se retrouve en Angleterre victorienne. Voilà, et la nouveauté n'est pas chez La Boîte à Bulles mais chez Casterman. C'est un premier tome sur la vie de Médée, donc mythologie grecque, qui est scénarisé par Blandine Le Callais, qui est romancière et spécialiste de la Grèce antique. Et c'est une histoire qui, pour l'instant, raconte la vie de Médée, mais qui va se dérouler sur 4 tomes et qui va raconter sa vie. C'est Casterman qui nous a mis en contact. Il cherchait à réunir des romanciers et des illustrateurs. Et Blandine est arrivée avec ce projet-là. Casterman a proposé un choix d'illustrateur. Et comme je travaillais à l'époque sur un bestiaire de l'Olympe pour les éditions Milan, le choix s'est assez naturellement porté sur moi. Le travail est assez naturel. Blandine, c'est une grande lectrice de bande dessinée, donc elle sent bien le découpage et la narration en bande dessinée. C'est très très agréable de travailler avec elle. Il existe beaucoup de mythes autour de Médée. Et au départ, le mythe finalement fondateur, elle est plutôt vue comme une guérisseuse qui se sert de ses connaissances pour soigner les hommes et les aider. Et c'est plus tard Euripide qui a un petit peu corsé l'affaire comme elle était déjà populaire et a décidé de rajouter le meurtre de ses enfants, etc. Oui, alors l'histoire est prévue en 4 tomes ou 5, on aimerait bien 5 nous. Le 4e tome s'arrêterait sur l'épisode du meurtre des enfants justement. On aimerait pouvoir en faire un 5e racontant la vieillesse de Médée et voilà, vraiment la fin de l'histoire, mais on ne sait pas si ça va être accepté, on verra bien. Et puis là, le 2e tome est en préparation, il est déjà démarré et il va lui porter plutôt sur l'arrivée de Jason, des Argonautes et puis tout l'épisode de la Toison d'Or, de la trahison de Médée vis-à-vis des siens, etc.